tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, me revoilà pour le troisième haul qui est le haul action. Donc à action, j'ai pas grand-chose, ça devrait aller très très vite. Donc je me suis repris. Alors je vais essayer, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je prends dans l'ordre? Comment je fais? Pas faire dans l'ordre, je vais faire dans l'ordre où moi je les vois, ce sera plus simple peut-être. Alors, j'ai pris un masque des pieds comme ceci. À l'avocat, ma fille m'avait dit qu'il était aussi à la coco. Moi qui adore la coco et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ce masque qui était à 84 centimes. C'est un masque à l'avocat. Donc voilà, vous savez, on coupe la chaussette, on met les pieds dedans, on les enfile maximum 20 minutes et après, voilà, on les enlève. Donc ce qu'ils disent, j'ai pas lu franchement. Pour une peau souple et hydratée, au beurre de karité et à la vitamine E. Laisser pendant 15-20 minutes faire pénétrer l'excédent. Donc ils disent toujours pareil, de laisser 15-20 minutes et de laisser l'excédent, de frotter l'excédent. Ils disent de ne pas les rincer. Voilà, pour une hydratation. Donc ça, j'aurais bien voulu trouver l'autre. Mais bon, je vais déjà tester celui-là, voir ce que ça dit. Et celui-ci, j'ai payé 84 centimes. Hop, je vais tout de suite le ranger avec mes masques, tout de suite, comme ça, hop, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le shampoing. Alors, j'ai trouvé un shampoing L'Oréal. Donc, c'est le L'Oréal. Si vous voyez bien. Elvital. Alors, je ne sais pas pourquoi Elvital. C'est un shampoing, parce que, en fait, c'est pas français. Voilà. Parce que j'ai des shampoings L'Oréal ici, et c'est pas écrit ça. Je sais pas. Enfin bref, c'est L'Oréal et c'est un shampoing anti-pelliculaire. Voilà pourquoi il n'y a rien d'écrit en français. Donc c'est un shampoing pelliculaire pour cheveux normaux. Et celui-ci, j'ai donc c'est 250 ml et j'ai payé 2,22 €. C'est un shampoing aux plantes. Voilà. Ce qui sent les plantes. Sans les plantes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté. J'ai pris des os pour mes chiens, etc. Donc, je vais pas aller dans l'ordre du coup. J'ai pris un déodorant 200 ml. J'ai pris un déodorant, le petit Marseillais Coquelicot. Comme vous savez, ce déodorant, j'en suis dingue. Dingue. Je ne mets plus que celui-là. Enfin, j'en ai d'autres que je termine. Mais j'en suis dingue de cette odeur coquelicot. Je les avais trouvés à Noz à une certaine époque. Hein, on les trouvait chez Noz en stick et comme ça en chute, hein, enfin en flacon. Et en vaporisateur. En chute. En vaporisateur. Et ça ne me revenait plus. Donc voilà, j'avais trouvé une astuce. Hein, en vaporisateur. Et on les trouvait chez Noz et on ne les trouve plus. Et j'en suis fan. J'adore. Donc je les ai on les retrouve chez Action à 2,29 €. Donc du coup j'en ai repris un. J'en ai encore un qui n'est pas terminé. Mais bon. Du coup j'en ai repris un. Ensuite j'ai pris un second shampoing. Un shampoing Palmolive à 1,65 €. C'est fraîche et volume. C'est celui-ci. Donc, c'est un shampoing pour cheveux normaux, 100% citrus. Alors, 100% citrus, je l'ai pris parce que j'en ai déjà acheté un. Et c'était un anti-pelliculaire au citron. Donc, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. Et le citrus, je sais que c'est très bon aussi pour les cheveux gras. Donc, du coup, j'ai dit, bon, j'ai pas trouvé pour cheveux gras, j'ai pris celui-là. De toute façon, en ce moment, je suis en train de tester un shampoing. Pas possible ça. Attendez, hop. Je suis en train de tester en ce moment un shampoing de chez Yves Rocher pour la chute des cheveux. Donc c'est vraiment occasionnel cela. Hein. Mais bon, ici la famille, il faut bien qu'ils lavent les cheveux aussi. Hein. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Ensuite, ça c'est pour ma fille. Moi, je trouve aucune action dans ces. Dans ces dentifrices. Alors, où c'est ça? J'ai pris des produits. Ah, non.
J'ai pris des produits ménagers aussi. Un charbon, dentifrice. 1,59 € le dentifrice comme ça au charbon. Elle aime bien, moi, j'en suis pas fan. Hein. 75 ml. J'avais aimé au début et maintenant, je vais vous avouer que plus vraiment. Voilà, il se présente comme ceci. C'est noir, hein, voilà. Bon, moi, je trouve pas l'amélioration avec ça. Donc, du coup, je suis repartie comme tout à l'heure, je vous ai montré. Hein. Voilà, bon. Ça, c'est pour elle. C'est plus elle qui. Donc, elle en a repris deux pour dire d'être tranquille un moment. Parce qu'elle en prend quand elle en voit, parce qu'elle n'en a pas toujours. Moi, je me suis également pris. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler, en fait, sur le groupe. Hein, sur mon groupe. Sur le groupe Make-up et partage entre copines. Il y a Maëlys qui nous en a parlé de ce. De cette laque, la marque Wella. Donc du coup, je l'ai prise pour la tester, car j'en avais jamais pris de cette marque. Et là, j'ai payé 1,98 €. Alors, je sais pas, il y avait des blanches, il y avait des rouges, etc. J'avais vraiment pas trop le temps de regarder à quoi ça correspondait. Donc j'ai pris celui-là, je verrai bien, je l'irai plus en profondeur. Je sais pas ce qu'ils avaient de plus. Je me suis pris comme ça trois petits paquets de coton. Des ronds. Là, c'est pour juste démaquiller les yeux. Parce que je prends les carrés. Enfin, les ovales à Action. Et j'en ai pris la fois passée à Carrefour qui est en promo des carrés. Donc là, c'est. Je sais plus. C'est moins d'1 €. Démaquillant, il y en a 80 à l'intérieur, 59 centimes pièce. Moi, il me convient très bien. Pour les yeux, ça me suffit. Ensuite, je me suis pris, voilà, hein, je fais comme tout le monde, je me suis acheté ces masques. Donc, ça, c'est des masques à l'argile. Donc, c'est des masques visage à l'argile. Il y en a 4 fois 20 grammes. J'ai payé 2,59 €. Donc, j'ai dit, ben. Oui, hein, on va aller prendre un spila, voilà. Donc, il y a. Oh, je fais tomber mon ticket. Donc, j'ai plus grand-chose à vous présenter. Alors, il y a à l'orange. Pas les ouvrir, hein. On va regarder ensemble. Hop, donc les voilà. Donc, celui-ci, c'est à l'orange. Donc, ils sont tous à l'argile, hein. Mais celui-ci, c'est celui. Alors, l'orange. Le orange, c'est à l'orange. Non, c'est pas l'orange. L'orange, ici, donc le petit espèce de renard, c'est à l'avocat et flocon d'avoine. Le bleu, c'est minéral de la mer morte. Le marron, c'est chocolat. Et le rose, c'est fraise. Ils ont des petites capsules, des petits opercules comme ça. Pas grand chose honnêtement. Si ça c'est le rose, c'est je pense pour appâter le client on va dire, hein, honnêtement, parce que j'en ouvrir que deux, hein, fraise et chocolat limite. Ah, celui-là, oui, plus. Chocolat, oui. Fraise, beaucoup moins. Il est comme ceci, chocolat. Et oui, il sent plus le chocolat que l'autre. Bon. Voilà, il a fallu que j'ouvre, hein. Donc, du coup, ces petits masques à l'argile. Bon, voilà, j'aime bien, moi, faire un petit masque à l'argile une fois par semaine, hein, parce que l'argile. Ça, au niveau, comme moi qui ai la peau grasse, hein, au niveau pour l'excès de sébum. Donc, j'aime beaucoup me faire un masque par semaine à l'argile. Donc, c'est pareil. Je filmerai quand je le mettrai pour vous le passer. J'en testerai un que je passerai avec vous. Et bien sûr, le dernier article, hein,
Bah oui, comme tout le monde, hein. Voilà, hein. Je l'ai acheté, hein. Par contre, je ne ferai pas les 7 jours d'affilée, hein. Je ne ferai pas un masque d'affilée parce que je sais qu'il y a quand même des peel-off, etc. Donc là, j'en ferai un de temps en temps. Et par exemple, je ferai avec vous un masque, je ferai avec vous un peel-off, un, voilà. Voilà. Donc voyez, on a encore de belles vidéos en perspective ensemble. Donc éventuellement même pourquoi pas en faire deux à la fois. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire. Enfin, deux, pas deux masques, mais un l'argile et puis un. Enfin, l'autre si c'est un normal, non. Enfin voilà. Donc on a encore de belles vidéos en perspective. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de filles qui présentent leurs achats. Font de haul, mais ils vont pas forcément faire un retour ou alors un retour comme ça rapide. Moi, je vais les tester avec vous. C'est pas un plus, hein. Je suis pas en train de me dire, je suis pas en train de me vanter. Vous voyez, j'ai mis les petites boucles d'oreilles d'Elodie. Si tu passes par là, ma belle, je te fais un énorme bisou. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis ces petites boucles d'oreilles. Elles sont plutôt sympas, hein, les filles. Et j'espère que vous avez été faire un petit tour sur sa page. Et donc voilà, donc on a encore de belles vidéos en perspective, d'accord, en perspective. Et j'ai également acheté quelques petites bougies chinoises pour faire des petits tests. J'en ai également acheté ailleurs. Donc je vous ferai un petit retour de tout ça. Donc comme je disais, on a encore un petit moment à passer ensemble. Donc sur ce, moi, ma vidéo pour aujourd'hui est terminée. Donc j'ai fait mes trois hauls, donc habillée de la même façon. Hein. Je n'allais pas me changer, me remaquiller. Enfin voilà, j'en avais trois à passer. Surtout que j'en ai encore d'autres à faire. Donc bon, cela, je les ferai un autre jour, donc vous verrez autrement. Donc sur ce, ben, moi, je souhaite une excellente continuation. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si vous en avez l'envie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les filles!